la ville de Guangzhou a offert des kits de protection contre la COVID-19 à la ville de Kinshasa en dons composés des masques, thermomètres et autres matériels. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la coopération territoriale entre les deux villes. La Chine a de l'expertise contre le coronavirus et elle tient à soutenir la RDC dans sa riposte. La ville de Guangzhou, l'une des municipalités chinoises où résident plusieurs Congolais, a décidé de faire un don des kits de protection contre le coronavirus à la ville de Kinshasa. Un geste à inscrire dans la coopération territoriale entre les deux entités. Ce don, composé de 50 000 masques, thermomètres et autres matériels, a été remis au gouverneur de la ville de Kinshasa par l'ambassadeur chinois en RDC. Tu Ting soutient que ce geste est une manière pour les deux villes de consolider leurs liens d'amitié et de coopération. Les matériaux médicaux qui sont offerts par la mairie de Guangzhou constituent de 50 000 masques et 300 thermomètres. Ça pourrait, bon, le nombre est limité, mais ça représente un geste amical, très sincère. Et j'espère que ces matériaux pourront jouer aussi un rôle de façon concrète dans le renforcement des capacités de gestion du virus. Pour sa part, Jean-Tini Ngobila a salué ce geste. Occasion pour lui d'inviter à nouveau les Kinois au respect des gestes barrières. Pour nous, ces gestes traduisent la volonté de la ville de Guangzhou de non seulement de rester solidaire à la lutte que nous menons ici contre la pandémie à coronavirus, mais aussi traduit la volonté manifeste de soutenir les efforts que nous menons ici. Nous demandons aux Kinoises et aux Kinois de continuer à observer les gestes barrières, notamment le port obligatoire et correct des masques, sans oublier les nettoyages systématiques et réguliers des mains. C'est de cette façon-là que nous pourrons mettre fin à cette pandémie qui a causé déjà beaucoup de morts ici à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. Sur les 26 provinces que compte la RDC, 19 sont déjà touchées par cette pandémie. La ville de Kinshasa reste la province la plus touchée, avec plus de 8 000 cas de contamination.